Eh bien, salut tout et tous, c'est Pal, c'est un soutien pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur Ori and the Blind Forest, la version hardcore et enfin la version hard et à 100%. Ok. On se retrouve après avoir éclairé le bosquet brumeux la dernière fois. Et donc aujourd'hui, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on est à 94%. Je pense que c'est la zone qu'il y a là, qui n'a pas été explorée, qui a quelque chose, qui a un objet. On va voir. J'espère que c'est... Quoi? Eh, quand je t'attaque, tu m'attaques pas, toi? Mince. Donc bon, on verra. Alors. Allez, barre-toi. Ok. Ok, j'ai compris. Faire ça, sinon on va se retaper toute la zone. Bon. Attendez, c'est vraiment juste pour ça? Tu me donnes pas le 100%? Je trouve ça un peu hard, le principe, mais bon. On va voir. Ça ou pas? On a le 100% là, du coup? 94% toujours. Et on a tout exploré. Ah non, ok, vu. Ok, je crois que je viens en fait. Je crois que je l'ai. On va voir, attendez. Tout est censé apparaître sur la carte, des zones qu'on a explorées. Oui. Mais à mon avis, des zones qu'on n'a pas... un petit peu plus loin. À mon avis, c'est là en fait. Là, on n'a pas tout exploré. Pour moi, là, c'est la samba. Non? Pas ça? Vraiment, c'est pas ça? Vraiment quoi? Ouais, je sais pas. Bref, on va partir. Je suis trop vite. Tac. Et donc faut qu'on aille se TP. Oh attendez, on peut aller là-haut aussi. Ça peut être cool, non? D'aller voir là-haut. Ouais, mais attendez. Et comment? Parce qu'en théorie, c'est facile d'aller là-haut. Mais vraiment qu'en théorie.
Puis on va. J'aille où? En fait, je comprends même pas où faut que j'aille. Mais purée, mais c'est une blague. Mais purée! Regarde. Donc ça ne regarde pas, on le sait. Je vais juste récupérer le truc pour sauvegarder. Tant que ça. J'en ai marre. Voilà. Ok, toi, barre-toi. Il se passe quoi? Trop de crapauds! Super, je spawn dessus. Mais c'est une blague, je peux rien faire. Ok, un ou deux déjà.
Mais c'est quoi ça? Ça va vous? Non mais regarde-moi ça. Là, il y en a juste deux. Ok, toi, tu dégages également. Ok, là, il y a quoi? Oh, bah, c'est par là, ok. Tant mieux, ça m'évitera de me taper tous les crapauds. Tac. Et non, je suis pas parti du tout au bon endroit en fait. Merci, c'est par là, ok. Ah, mais il faut faire tellement de trucs avant d'avoir un point respawn, c'est dingue! Mais ça me saoule aussi. Mais franchement, donnez-moi des liens d'âme, quoi! En fait, c'est la seule difficulté, c'est qu'on n'a pas de respawn! Donc il marche dessus. Ah, purée! Dégage. Regardez, ça repassera pas. Il y a trop de trucs à faire. Avant le prochain respawn, il y a trop de trucs à faire. Ok. Tiens, en plus, lui, il rentre avec moi. Toujours plus. Dégage, au bout d'un moment. Ok.
La paix, toi? Tu fous la paix. Ah, franchement, vas-y, il y a un problème. Vas-y, ça me saoule. C'est quoi ça? Ok. Ouais, super, t'as rien gagné du tout au final. Moi, la paix, toi. Bon, ok, j'ai compris, j'en ai marre. Mais même pas, en fait, je suis carrément obligé de me les faire. Et ça dégage. Ok, en tout cas on descend. Ok, on est de retour ici. Là, la carte, je crois que de mémoire on l'avait fait. Oui. On a ça aussi, que je sais pas comment ouvrir. Ok, donc, eux les revoilà. Ok, donc ici on se souvient qu'on y avait déjà été. C'est un petit peu l'enfer. Attention, on sait qu'il y a un crapaud aussi. Voilà, dégage les crapauds. Par contre.
Pareil, ça, je sais pas du tout comment on le récupère. Je ne sais pas. Ok, on arrive à destination. Non sans mal, mais on y arrive. Alors, du coup, voilà, on est arrivé jusque-là, et donc maintenant on peut avancer. Parfait. Oh! Ruines éplorées, pardon. Les ruines éplorées, c'est ici que vivent les Gomon. Ils bâtissent des incroyables structures et les imprègnent de la lumière de l'art aux esprits afin de les protéger. Oh non! Ces Gomon ont été pris dans la glace et n'ont pas pu s'enfuir lorsque l'élément des vents a perdu sa lumière, ces ruines sont devenues leur tombeau. Les pauvres. Ah! Ok. Qu'est-ce que ça? C'est que moi, était ingénieux d'ingénieux inventeurs. Ils anticipaient un avenir prometteur qui n'arrivera jamais. Tu vois ce brasier de lumière spirituelle? Ils utilisaient pour préserver la lumière de l'arbre aux esprits. Ok. Tac. Ok, du coup je peux marcher là. Ok. Par contre, ça, je peux pas y aller. Ouais. Ok. Je comprends. Ah, oh, par contre, on fait pas tout de speech. Bla 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 bla. Ok. Très perturbant le jeu comme ça, mais bon. Ok, faut continuer plus avancer. En fait, les contrôles sont pas inversés. Si je te lâche. Ok. Ok, là je peux te reprendre. Ok. Niveau contrôle, c'est l'enfer. Tac. Ok. Oh non! Oh purée! Bon, faut qu'on pense à faire de la sauvegarder quand même un petit peu. On peut en faire autant de passes obligées.
Tac. On continue encore un peu. Et après, on fait un point de sauvegarde. Tac. Non! Tac. Ah, pardon. Et... Ah purée, j'ai quand même me fait avoir. Putain, celui-là. L'araignée, faut forcément que je la tue. Pas d'autre choix. Attaque! Attaque! Aïe. Tac. Quoi? Monte une foule, toi. Tu m'énerves. Tu m'attaques ou tu me fous la paix, mais tu fais pas les deux. Voilà. Ok, on sauvegarde. Attendez. Quoi?
Je vois la... Quoi? Je vois pas ce qu'il faut faire en fait. Ok, on monnaie la clé là. Et en plus, elle est sécure par un point de sauvegarde. Ça, c'est cool. Une sur 4 a priori, je pense. Pourquoi il n'y en aurait pas 4? Le turban là. Tellement perturbant ce qu'on va faire. Non. Non, ok. La gravité, ça marche pas comme ça. Faut vraiment que je fasse le... Ok, j'ai compris. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, faut vraiment que je fasse le tour pour avoir ma gravité, en fait, qui suit. Regardez. Là, ça suit, en fait. Si j'aurais sauté, je pense que ça aurait pas marché. Dire que Moi, je sais pas clé. Moi, je suis clé. Je ne sais pas. Ah ok. J'ai pas pensé à la gravité que j'aurais à voir. Pas évident cette zone avec la gravité justement. Avec leur système de gravité. Le système de gravité, c'était pas évident.
Réfléchissons. Oh là 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 là, c'est dur. Ok. Et donc là, ok, là j'ai compris. Il faut que je fasse ça. Ça. Ça, ok. Faut que je fasse pareil pour l'acheter. Non. Oula. Quoi? Surtout pas, vraiment pas en fait. Ok, si ce saut passe pas. Bon savoir. Je regarde ailleurs, pardon. Non. Ah non, mais je suis bête comme ça. Ah non, non, pas comme ça. Comment ça? Pareil, là pour le moment, on peut pas y aller. Donc, partons du principe. Principe que j'ai pas pour ma part, autant suicider.
Tiens, plus vite. Ouais. Oula. Quoi? Ah! Oh, attendez. Je vais peut-être en mettre ma technique. Ouais, mais de toute façon... Non, en fait, je suis bête. Ça ne sert à rien, en fait, d'aller à la carte. Je l'ai pas. Ok. Putain, là... Ah, parfait. On a... La fontaine de TP. Donc ça, c'est cool, déjà. On continue. Ouais, mais le problème, c'est qu'à faire ça, je peux pas monter. C'est ce qu'on me demande de faire, non? Ah mais non! Je suis bête. Je suis... Ok, c'est moi qui fais des bêtises. Pardon. J'ai compris. Regardez, je peux faire ça, ça, et voilà. Et pour buter lui, c'est bien plus facile. Wouah, j'aime pas ça. Il est pas du tout aligné le point en fait. Mince. C'est quoi, on va faire un peu... Pardon, un point de sauvegarde. De là. Trop tard. Aucune nouvelle clé.
Ok. C'est bon. Ça fait peur, mais ça passe. Ok, on va attendre un peu. Attendez, c'est comment moi? Là, ok. Ça passe. Comment ça passe? Je ne sais pas, mais ça passe. J'ai envie de vous dire, c'est là l'essentiel, c'est que ça passe. Le pourquoi du comment, je m'en fiche. Alors? Quoi? Par contre, ouais, attendez, faut que je pense faire quoi avec. Ah! Voilà. Je l'ai pas le fragment. Pour le moment, en tout cas, je l'ai pas. Super. Super. Allez, hop, on recommence. C'est comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Oui. Ok, une fois arrivé en bas, on te regarde. Parce que ça m'énerve. Quoi? Pas encore, c'est chiant! Ok. Tac. Dégage.
Ok. Wow. Cette selle devait alimenter toute leur invention. Regarde le donc maintenant. Regarde ce qu'il a fait. Le pauvre. Je me demande si Gumo sait ce qui arrive ici. J'espère qu'il nous pardonnera le fait que nous ayons survécu alors qu'eux ne sont plus. Ça, par contre, c'est relou que ça m'a fatigué de dialoguer à chaque fois. Que je peux pas dans une zone dangereuse. Est-ce que je peux rester safe en fait là où je suis? Non. Faut que j'enchaîne les trois. Ah si, je suis. J'arrive pas à faire mon saut. Et si je suis safe, ok. Speed. Allez. Pas te garder en plus. Si j'ai pu te garder là, ça me va beaucoup m'aider. Au moins on est un peu plus proche, quoi. La sauvegarde est un peu plus proche, on va dire. Ok. Là-haut. L'élément des vents se trouve devant nous.
au cœur de cet endroit. Ces ruines sont le dernier vestige d'Egomon, le rappel du triste sort de ce peuple. Gummo a perdu ce qu'il aimait et il reste le dernier de son espèce. Ori, nous devons ramener la lumière pour Nibel et pour la mémoire des Gummo. Ravivons l'élément des vents. Ému par ses paroles, il décide d'agir. Quoi? C'était pas prévu ça. Ah ok. Cette musique! Quoi? Une fois que t'es parti pour te prendre plus de dégâts, tu te prends tout d'un coup.
Ok. Qu'est-ce que t'as fait, mon ami? Aucun moyen de faire, ne serait-ce qu'une sauvegarde.
Ok, c'est bon. Je comprends pas comment ça passe ça. Ni de cure. Okay, ça me sert à rien des cures. L'absent. Ça sert à rien, je peux pas sauvegarder. Attendez, c'est... Oh, les petits oiseaux. Ok, donc je vois à peu près où est-ce qu'on est par rapport à l'expert. Chou. Oh non. La pauvre. Bah, tu m'étonnes.
tellement triste. Ori avait appris comment, par la lumière, ils avaient péri. Elle avait fait que protéger son dernier enfant chéri. Mais je vais pas me battre. Ok, bon, la partie est sauvegardée. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, les amis, que cet épisode vous aura plu. On se donne rendez-vous du coup très bientôt pour la suite de notre aventure sur Ori, la version hard. Là, pour le coup, c'est vraiment hard. Le 100%. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne de la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous ceux qui le font. C'était pas. Salut tout le monde. Ciao ciao. Bye bye tout le monde.